Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une astuce sur Excel, c'est comment construire une barre horizontale sur un graphique de ce type. Donc lorsque je varie ici, voilà la barre horizontale. On va donc construire cette barre horizontale de trois façons. Je vais donc supprimer le graphique et je vais le reconstruire. Insertion, je choisis donc ici un graphique. Voilà donc. Ici donc, on a la moyenne de ceci et c'est la moyenne qu'on veut faire comme barre horizontale. Je clique donc sur le graphique sélection, je vais ajouter ici, je choisis ici la moyenne, c'est cette cellule qui correspond à la moyenne. Voilà donc, ici c'est la moyenne, je sélectionne cette colonne qui correspond à la moyenne, je sélectionne, modifie le type et ici sur ce graphique, je sélectionne ici, sans cocher ici, je sélectionne ici et je choisis ici nuage du point. Ici, voilà donc le graphique se forme de ce petit point. Je la sélectionne, je vais donc à création et ici ajouter un élément sur le graphique. Et ici sur la barre d'erreur, je choisis ici autre option de barre d'erreur. Ok, et ici, je veux donc ici par défaut, elle me sélectionne. Le barre d'erreur vertical. Moi donc je veux l'horizontal, je resélectionne ici barre d'erreur verticale et je fais supprimer. Je laisse la barre d'erreur horizontale. Je sélectionne et ici je choisis ici personnaliser et spécifie une valeur. Et ici donc par défaut il me donne ici valeur 1 sur le négatif et le positif, mais moi pour le positif, c'est à dire c'est le nombre ici des articles, on a 9, je vais donc mettre ici 9. Ici je peux conserver le 1. Voilà donc la barre d'erreur, elle est comme ça, je la resélectionne et ici je clique par la droite, formate la barre d'erreur. Ici donc sans embattement, c'est-à-dire sans extrémité, je fais comme ça. Et ici, je sélectionne, je clique par la droite, compteur donc avec épaisseur de ce type et coloration par exemple de ce rouge. Voilà donc ce qu'il me donne. Lorsque je clique sur F9, voilà donc ce qu'il me donne. Reste le petit bouton ici qui correspond à série 2. Je la sélectionne et je clique par la droite, format sans compteur et sans remplissage. Et voilà donc ma barre d'erreur qui correspond à la moyenne de ceci. Ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de, ici par exemple on a des valeurs aléatoires et ici c'est la moyenne. Ici c'est la moyenne, on met la moyenne de tout ceci. Ok, je vais donc refaire. Égale moyen de ceci jusqu'ici. Je fiche par F4 et je ferme et je descends. Ensuite donc je vais sélectionner ceci, insertion, histogramme, et sur cette barre je sélectionne, on modifie le type et je vais donc choisir ceci et voilà donc la barre d'erreur. Et voilà donc la barre horizontale sur ce site. Ok, ça c'est la deuxième façon. Troisième façon, c'est pour avec, on va créer un nom. On va donc créer un nom ici. Donc le nom, je vais donc écrire ici la formule du nom. Pour créer un nom, donc on va à formule et gestion de nom. Et je mets nouveau et je peux créer le nom ici. Donc le nom, je vais le écrire ici d'abord, ici égale si, je sélectionne ceci, je mets F4, et différent, je vais donc différent avec supérieur, inférieur, comme ceci, différent de vide, point virgule, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la moyenne. La moyenne de ceci, je fiche avec F4, je ferme la première parenthèse, sinon je vais faire vide
et je ferme la parenthèse. Voilà donc le nom. Ici, même si, si il me donne une erreur, mais avec la création de nom, je vais donc choisir, je vais sélectionner et je vais garder donc la sélection, formule, gestion de nom. J'écris ici la, le nom avec ici, par exemple, moyenne avec M-O-Y. Je peux donner le nom comme je veux. Et je mets la formule ici. Voilà donc le nom. Je quitte. Je supprime ceci. Donc je vais de la même façon insérer un graphique. Voilà. Je clique par la droite. Sélection. Ajouter. Je supprime ceci et je sélectionne une cellule en dehors sur la même page. Et je supprime jusqu'à point d'exclamation et je mets le nom que je donnais. M-O-Y. Je mets OK. OK. Et ici, je sélectionne et je mets, modifie le type. Et ici, je choisis cette courbe. Voilà. Et je mets donc, voilà donc la troisième façon de créer un nom. Créer une barre horizontale. OK. À la prochaine donc. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. OK. Merci.